journée date 2 février 2018. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH. Et pour Kounia, nous allons présenter un grand titre. La République, la Jovenel Moïse a fait distribution yon lot matériel dans le département la Tibonite l'an jeudi. Distribution matériel sa yo rentré dans le cadre d'engagement chef l'État prend pour mettre pays en chantier. Assemblée sénateur a adopté jeudi 1er février a yon résolution pour transférer dossier enquête sous l'agent Petro-Caribéa devant la Cour des comptes. Dans l'idée pour permettre à la population à connaître comme activité, service dans le centre réception livraison de documents d'identité, une équipe télévision nationale d'Haïti a fait un coup de pied dans le centre Delma 31. Mairie Delma a paré pour réaliser le carnaval, sorti 3 arrivé 4 février, qui a venu là. Il y a plusieurs bonnes à pied avec Jazz, qui a sous-parcours carnaval là, d'après magistrat Wilson Judy. Et puis, petit ancien dirigeant cubain fidèle Angel Castro Diaz Bala, 68 l'année, a suicidé tête li, d'après médias cubains. Il y a rejoint encore fidèle Angel Castro Diaz Bala dans la Havane, jeudi 1er février 2018. Là. Restez avec nos amis TNH, c'est un pilote information pour le développer dans le journal pour jeudi. Et Jean Nouté annonce le président République la Jovenel Moïse fait distribution yon lot matériel dans le département la Tibonite jeudi. Distribution matériel sa yo rentré dans le cadre engagement chef l'État prend pour mettre pays en chantier. Ricardine Deganjan avec Jasmine Lorsen. Tracteur bacolodé avec belle esclavatrice, c'est quelque parmi matériel président République la Jovenel Moïse remet autorité locale dans la ville Gonaïve jeudi vendredi 2 février 2018 là. Magistrat ville Gonaïve Lanel la Tortue salue président République là pour engagement li prend en faveur développement commune. Président n'a nous fiers de vous parce que vous avez fait promesse là Kembel et nous fiers de vous parce que pour vision, pour volonté, pour courage, n'a dit Kembel là. Et nous-mêmes, nous là, parce que jeudi, à chaque fête, vous croyez dans le travail. Vous avez dit que vous avez mis des bottes dans le bureau et vous avez dans tous les côtés. Et vous dites que vous faites. Nous disons bienvenue, président Kembela et population de Manon. Go, bravo, président. Chef l'État renouvelé détermination pour continuer le travail dans l'intérêt de la population. Il y a divers travaux de construction de routes qui pourront exécuter dans le cadre de 40 changements dans le département de la Tibonite selon le président Jovenel Moïse. Je suis venu pour dire que dans la Tibonite, le département ça, pendant 4 ans qu'il est venu, il y a 400 km de route asphaltée dans le département. Pour aller 100 km route asphaltée chaque année. Et me dit lui, année ça, nous avons 5 routes prioritaires avec qui on a commencé. Premièrement, nous avons Gonaïve Terre-Neuve. Première route qui vous fait. Deuxièmement, nous avons Gonaïve Anse-Rouge. Deuxième route qui vous fait. Troisièmement, nous avons Henri Saint-Michel de la Talaye. Troisième route qui vous fait. Quatrièmement, nous avons un gros moine Gonaïve qui commence déjà. Quatrième route qui vous fait. Cinquièmement, nous avons une grande saline RN1. 5 premiers routes house avec qui on a commencé avec caravane. Nord-Ouest, Nord et Centre, c'est 3 autres départements qui déjà recevoir le matériel par yon cas de distribution matérielle pour travailler caravane changement. On a à peine notifié que distribution matérielle ça a venu dans la ville Gonaïve quelques jours avant lancement caravane sous tout département pays qui a bien pour fête 7 février 2018 qui a venu là. Ricardine Desanges depuis ville Gonaïve pour Télévision Nationale d'Haïti. Et il a rappelé mon département centre recevoir jeudi 1er février à l'équipement Payo pour réaliser le travail caravane changement. C'est le président de la République là, Jovenel Moïse, qui remet autorité locale matériel Sayo. À travers caravane changement, président Jovenel Moïse a concrétisé pour qu'il y ait une grosse promesse campagne qui visait pour mettre tout le pays en chantier. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Après département nord-ouest avec département nord, c'est tout par département centre pour recevoir jeudi 1er février
yon lot équipement pour faire travail caravane changement. C'est tout département yo qui a recevoir matériel pa yo pour faire travail construction route, curage, drainage, assainissement ak lot encore. Nan équipement sa yo, gen camion bascule, bulldozer, pelle mécanique ak excavatrice. Chef l'État a félicité une fois encore parlementaire 50e législature qui a voté budget république là pour exercice 2017-2018 là qui permet l'argent débloqué pour acheter équipement ça yo. Nous pas mettre l'eau dans wall yo, nous pas curer. Nous gain 60 rivières dans pays là, n'a curé pendant 4 ans cabin là. Nous gain équipement pour ça. Nous gain équipement pour ça. Mais équipement yo, c'est l'argent. C'est au même. C'est ou même parce qu'on t'a tête fouette. Là où t'es sorti pour te chauffer tête tout dans affaire budget criminel ou t'es réfléchi ou dit m'a pas fin vote ton président parce que président mon petit parole il te dit nous on dit parole là pas me tout rappeler nous. M'te dit nous voter nous pas voter pour mal faire ça m'vle. Ça veut dire nous bon ben nous ça m'te vle dit. M'te vle dit nous pas voter pour mal prendre l'argent l'état m'fait ça m'blavel. Nous pas voter pour m'intéresser mal développer un petit côté dans le pays et puis pour m'abandonner ça. Nous te voter pour me faire pour tout le pays. Nous te voter pour me prendre l'argent l'état pour mettre le service nous. Mais tout nous pas voter pour me quitter nous faire ça nous voulons. Nous songe me dit nous ça dans campagne là. Me dit nous ça. Me dit nous là. Et mais jodia moi content ouais les budgets. Tout le monde était tête fouette parce que nous connaissons pas qu'à quitter nous faire ça nous voulons. Si nous quittons nous faire ça nous voulons, le pays a son anarchie. Il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il y ait l'ordre qui a dirigé le pays. C'est pour ça, je dis, dans la route qui va le construire dans le pays, pas oublier c'est l'État qui va le construire. Il faut nous tous qui sont de bonne route, nous collaborer avec l'État. Dans moins passé une semaine, le président Jovenel Moïse a bouclé une première année dans 5 ans mandat à passer sous pouvoir. Mettez tout Haïti en chantier, c'est une promesse campagne qui réalise. Yon kokèn chèn chantier qui pral permet pays à développer et puis relancer à tout niveau. L'autre sujet dans le journal emploi sera dans l'idée pour permettre population connait comment activité yo yé service yo dans centre réception livraison documents identité yo. Yon équipe télévision nationale d'Haïti t'a fait un petit coup de pied dans centre Delma 31. Comment demande l'anye? Est-ce que gen en pile moun dans centre là qui obstacle moun k'ap bay service vin chercher service rencontrer dans centre ça? C'est parmi ensemble point équipe là t'a abordé ak moun qui t'est présent dans centre là. Reportage Rachel Sefort à Jordani Bouzil. Jean chef l'État t'a promettre li gen plusieurs centres réception livraison documents identité qui commence à inaugurer dans différents départements pays pour faciliter la population des documents d'identité, quel que soit côté lié dans le pays. D'après le coordonnateur départemental Ouest Onion, ingénieur Alain Paul, déjà il y a 18 CRLDI qui fonctionnent dans le pays. Santayo offre différents services dans le même espace-là, tant que le service Office national d'identification, Archives nationales, Immigration et Direction générale impôt. D'après témoignage quelques responsables centre là, service a bien marché dans CRLDI Delma 31 même si yo reconnaît qu'il y a quelques efforts qui méritaient fait tant qu'ou augmenter capacité personnel matériel yo pour faciliter plus moun jeune service qualité. De plus que 600 moun qui viennent. Mais ça dit que nous avons capacité pour nous faire 600 000 services dans plusieurs. Ça dit, on y a pour côté les gens enregistrement. Enregistrement n'est pas 200-300 000 villes par jour, il y a plus que ça nous faire service. Tant que si on vient chercher 4 tours, on vient chercher 4 là, il y a plus de monde qui vient chercher 4. Plus de l'instant, il y a l'autre quantité qui vient encore. 4 perdus encore, il y a l'autre quantité qui vient. Mais tout le monde vient ensemble. Ça dit, offrir 4 services en dans cette salle. Là, nous avons un service rapide. Et mon avis, il était un ancien extrait, il vient déposer là, nous vérifier sur système là, nous joindre là et puis nous faire pour lui et puis dans 3-4 jours on a joindre extrait. Seule pression des fois nous comprend là, c'est là n'a ramassé faux extrait dans même monde. Là on connait pas en pile pression pour comprendre
parce que y a dans la rue hein y a les fait extrait il a fini de porter là moi même moi vérifier m'a je ne sur système non ou bien moi son papier gratelier donc comme ça et monsieur Bertrand passe me l'ordre pour me kembe extrait ça là que pas bon nous viser pour immigration tout monde qui pour aller déposer passeport nous viser pour yo tout pour aller déposer passeport c'est ça que fait tout les monde qui vient là nous kembe faut extrait ce monde qui pour aller déposer passeport. Quelques citoyens qui devaient chercher service dans CRLDI Delma 31 ans mandé pour augmenter capacité à quel là ça capé selon yo plus moun jeune service dans CRLDI yo ça gagne à peu près presque 5 mois. Responsable centre Delma 31 yo fait connaître yo là y a travaille chaque jour avec l'autre autorité dans l'état pour améliorer qualité service y a offrir population pour faciliter plus moun gain document identité yo. Ancien président Michel-Joseph Martelly dit satisfait pour travail président Jovenel Moïse a réalisé sous pouvoir dans moins ça passé yon l'année. D'après ancien président Martelly, actuelle administration son bon chemin et puis mérité encouragement. Distribution matérielle dans divers départements, irrigation plusieurs milliers hectares dans la Tibonite, construction divers tronçons routes témoigné sous six chefs l'État pour porter changement. Michel Martelly dans micro, Serge Nolendor. Nous trouvons que le président ça lui-même, sous un an, l'homme prend palmarès. Nous trouvons que le mouvement que nous débénéons, nous devons marcher. Sous prend la Tibonite, le président permet que des milliers d'hectares de terre irriguées qu'on ait, de l'eau à circuler, nous avons besoin sans intérêt. Bah, la président, bah, on dit hier soir ou avant hier soir, l'a expliqué. Planteur qui a besoin de cob sans intérêt, sans intérêt. Et moulin qui a mis pour que les gens puissent du rio. Et équipement que la baille dans quatre coins du pays, en longtemps. Son député au bon sénateur, bien, font une route dans le pays. Et vous êtes bien avec le directeur CNEA, ou bien faut que le président c'est mon nom, ou bien faut ou bien ministère de la République là, vous dire. Le président prend équipement, le mettait dans toute commune. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on grain de monde sérieux dans la ville là, qui a contribué à développement de la ville là, parce qu'il a tout ça le besoin comme outil pour le fond terrain de jeu pour la communauté, pour le curer rivière pour de l'eau pas envahie, pour le gérer espace jardin, pour le faire route, pour le faire percer. Donc, vous dire à qui ça, président? Le président a déconcentré la. Et décentraliser et la permettre que zone a développé on voit sans que on pas obligé gain contact par faut dire commune nan met tête li avec ça que le gain en mel c'est pas nous pas connait le regardon président gain 50 moi gain 57 ans en Haïti bah j'aimerais route pas de paix fait jamais en 57 ans d'existence mon président à peine gain du pourquoi gain un nouveau pouvoir. Pourquoi gagner non pourquoi pour route là qui est en avance et à fait on va que mon pas jamais mettre en tête qu'a fait même président ça est en fini route campérien même président ça est en asphalte trois carottes dans caille même président ça est en redérapé avec route pour dans Gredos même président ça est en mené caravane différents côtés mon cher pas bon menti sous un an. Sous un an, mon cher, je ne vais pas parce que son président. Et monsieur, il y a trois domaines que le possédait. Domaine, ça, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, l'énergie, et puis la construction. Monsieur, qu'on est que le pape carré ici, dans tout le bagage dans le pays. Donc, trois domaines, ça le possédait. Il dit lui-même, je vais faire bagage dans trois domaines. Ça. Et l'Assemblée sénatoriale a adopté jeudi 1er février une résolution pour transférer dossier enquête sous l'agent Petro-Caribéa devant la Cour des comptes. Pendant la séance plénière, ça gagne 17 sénateurs qui votaient en faveur de la résolution qui gagne 4 articles en extrait. Nous avons gagné pour nous statuer essentiellement sur la loi sous des collectivités communales là, que nous avons commencé à voter.
et c'est lui-même tout qui était inscrit dans l'ordre du jour là. Il y a un groupe de sénateurs qui, conforme au règlement intérieur, a demandé pour que nous introduisions la proposition de résolution qui était en débat pour être votée très certainement hier, mais qui n'a pas été votée parce que le quorum n'a été infirmé. Et demandé pour introduire. J'avais consulté l'Assemblée et l'Assemblée a souverainement décidé pour que nous introduisions proposition de résolution et proposition en débat. Et la majorité a été 18 sénateurs présents. Et des 18 sénateurs, il y a 17 sénateurs qui votaient pour les différents éléments contenus au niveau de cette résolution. Et la suite. Eh bien, nous allons transmettre la résolution qui est adoptée par le pouvoir exécutif, le président plus particulièrement, pour publier et promulguer et publier dans le moniteur. Et ensuite, nous avons une ampliation en résolution ça par le Conseil et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pratiquement, rapport qui était présenté par la commission sénatoriale qui a travaillé sur la question. Hein. Eh bien, rapport ça, l'Assemblée sénatoriale n'a pas d'accord avec les recommandations et conclusions. Hein, et les suggérer de préférence pour que nous permettre à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de faire travailler comme cela se doit, by arrêt de débat ou bien arrêt de quitus à tout le monde qui a droit à ça. Et de permettre tout que nous garder état de faiblesse des différentes institutions européennes et de permettre tout que nous gagnions des débats très contradictoires. Et moi-même, en tant que président du Sénat, je me garde d'entrer dans les détails de tout débat qui était fait et qui continue à être aujourd'hui dans la séance qui t'a fait là. Mais tout compte fait et le rapport. Petro-Caribé, eh bien, est rejeté en un certain sens par l'Assemblée des sénateurs et le dossier est maintenant transmis, la résolution est maintenant transmise ou bien soumise au Conseil, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et du contentieux administratif à toutes fins utiles. L'Assemblée sénateurs a décidé et ils ont décidé, ils ont introduit l'ordre du jour, ils ont débattu, ils ont tranché sous les et 18 sénateurs étaient présents. Et là, à l'unanimité, eh bien, nous sommes capables de dire que le texte est adopté. Et Kounyala, nous considérons le Sénat, il est dessaisi totalement de question ça. Et c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vient Kounyala pour faire travailler comme cela se doit. Commission spéciale chargée pour faire enquête sur le déplacement de Petro-Caribéen, dénoncer décision Assemblée sénateur prend. Pour transférer dossier A devant Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, dans une séance plénière jeudi 1er février. Sénateur Evalier Bloplan et sénateur Jean-Marie Junior Salomon dit à continuer lutter contre décision SILA. N'a pas invité au suivi un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Joseph Wilbridge. On prend dossier à vous pour des comptes. On doit admettre par hypothèse ça n'a pas passé. Il n'a pas passé. Cour des comptes n'a pas de compétences pour statuer sur un dossier qui a rapport à la corruption. Cour des comptes fait contrôle finance. Cour des comptes audite des pensions. Cour des comptes voit un rapport chaque mois ben nous. Et chaque ministre qui a dirigé, Cour des comptes balon rapport chaque an. Pour le dire, année fiscale ça par rapport à budget et gain, mais dépenses s'il est régulier, s'il n'est pas régulier. D'où le fait que nous recevons de Cour des comptes tout document ça déjà. Et toute analyse pour fonder nos dossiers enquête, faut tenir compte des dossiers coûts des comptes, il faut tenir compte des dossiers banques, il faut tenir compte des dossiers ministères sectoriels. Il est ridicule pour que le Sénat a fini de travailler son dossier et puis pour demander coûts des comptes que la Constitution a nos droits pour nous auditer chaque année nous-mêmes, pour nous voir les coûts des comptes, pour coûts des comptes sanctionner un dossier du Sénat de la République et coûts des comptes relevables par rapport au Sénat, parce que le Sénat de la République, c'est pouvoir de nomination de la Cour des comptes. Il est ridicule. Même si on n'est pas fait abaisser du droit, au moins ce minimum, car maintenant, à la logique, pour dire, mais comment le possible? D'où, monsieur, parce que dehors de règle, il a violé tout ça que vous pas dû violer et vous voyez le dossier Petro-Caribéen dans la rue. Je dis, on a reprendre encore. Même quand le président Lambert
li dit que ça fait dans li fait net et que résolution après joint exécutif là pour publication dans le moniteur m'a fait tout le monde connaît. Il y a encore des institutions dans ce pays que nous les institutions régaliennes. La justice existe. La Cour constitutionnelle n'existe pas encore. Mais cependant, il y a la Cour de cassation, qui c'est la plus haute instance judiciaire du pays, nous capables d'attaquer, voyez bien, résolution ça, en nullité, parce que l'innul est non avenu dans la mesure où il ne peut pas y avoir deux séances durant le même jour. Nous ne pouvons pas camper là. Action légale, nous pourrons le faire. Nous pourrons le faire débat tout mardi prochain. Et sénateur Nodès-Lanvanik Pierre, salue vote qui fait dans le Sénat République là pour voir rapport Petro-Caribéa dans la Cour des comptes. Parlementaire à quoi c'est plus bonne décision Sénat prend dans le dossier. Pour moi, et d'ailleurs, conviction, c'est en fait déjà par rapport au travail qui a été fait normalement sur. Document, c'est que normalement, je vais révéler un ensemble de failles qui gagnent dans le document, qui sont en matière juridique, qui sont en matière administrative, qui sont en matière normalement, alors et autres. Mais malheureusement, le commissaire n'a pas fait le travail là avec équité, il n'a pas fait le selon les normes et selon les principes. Ça fait que moi-même, j'ai une difficulté pour me voter pour ou contre le rapport. Moi-même, j'ai toujours tiens à ce que normalement, nous voyons le rapport par le coup des comptes pour que normalement, il y ait fait suivi, il y ait renforcé lui et qu'il est capable de retourner dans le Sénat. Laisse ça, moi-même, pour mal voter contre tout le monde, eh bien, qui était détourné, qui était gagoté fonds Petro-Caribéa. Mais j'ai un rapport à l'invité sorti, très, très, très malheureusement. On même pas d'abord rentrer là-dedans, mais si que il y a des gens qui gagotent l'argent, il y a des gens qui ont rien, normalement, qui ont relé, barré, volé, barré, gens qui ont gagoté l'argent, mais si que les gens qui ont pas dans le rapport, et je tiens à ce que tout le monde qui a contribué à voler l'argent, eh bien, il faut qu'ils parlent devant la justice et pour punir selon la loi. Et puis, ancien député à Cluj-le-Jeune souhaité une disposition qui prend pour renforcer l'institution contre l'eau, ça va permettre les mieux faites sous gestion fonds Petro-Caribéo. Ancien parlementaire au PL en Croix, espace parlement 3 politique pour arriver à mener enquête comme ça doit sous façon l'agent Petro-Caribéo a dépensé. À Cluj-le-Jeune a participé dans l'émission mise au point sous TNH. En suive. Gen trois bagay ki ka fèt ladan. C'est que nèg yo gen majorité, yo pa ka pran rapport pou yo mete le de côté. Yo ka fè des corrections ladan et puis pour moi même c'est pour rapport qui pral loin tellement gen ramification ladan. Même moun ki dans d'opposition parce que yo te font pran un petit coup de pouvoir tout sou privé et que yo pa fè bagay la. Moi même rapport Petro-Caribé à ou équipe moun ki fèl yo fèl la c'est de façon que pour yo di match nul c'est comme ça m prévoil parce que si pas match nul yo té dès yo t'a inclus que 33 millions té sous privé yo t'a metté là-dedans et puis yo prend tout moun yo net yo metté les puis société a t'a dit bon son bail qui pas fait pour tel secteur ça veut dire que tout secteur là-dedans et puis qu'on y a moun ça yo prend yo là petite main. Et puis, sortant de l'autre semaine, ils ont fait 2-3 jours pénitentiaires, etc. Ça veut dire que pour les gens qui battent. Mais depuis qu'elle n'a pas fait comme ça, son rapport, ils ont fait de façon que les gens peuvent acheter avec la majorité. Ils ont pris le frustré, ils ont pris le mauvais, ils ont pris le vote contre. Et puis, les gens ne peuvent pas se priver qui fait gagote là. Et puis, quand les gens ont tout été tranquille, la seule chose, c'est que la prochaine élection, les gens peuvent acheter avec la victime. Parce que c'est nous qui sommes sortis. Tandis que, se priver, moun ki tap fè gagot yo menm yo kal yo rete la kay yo fè peyi yo pa deux cambres garanti tout temps comme si moi clam ap mayon comme si pa ou clam ap ki to passé tu est-ce que k ap fè peyi ça tout temps mais c'est ça que fait mandé pou nou fon halte là on dépassement de soi pour qu'on y a pour nous reposer problème yo rappelez ou bien que moi te dit que gon niveau rive en dans société a faut que nous tout monde fait mea culpa pour ça faire Haïti. Pour nous dire que je fais Haïti trop, qu'on y a même, je vais mettre mon service. Pourquoi Haïti m'a demandé pardon comme ça? Haïti m'a m'excuser. Moi-même, je toujours fait.
Depuis que je fais des choses, je demande des excuses. Il faut que je me courage pour me faire. C'est ça que fait le monde, c'est ça que fait la cloche. Ça veut... Et ancien président de la République, là, Michel Joseph Martelly, réagit sur ensemble débat qui continue fête sous rapport Petro-Caribéa. Pour ancien chef de l'État, ses tractations pour accuser Moun et puis fait capital politique, li important pour institution qui est placée pour faire travail, contrôle, dépense l'État, agit pour empêcher politique prendre place technique. Michel Joseph Martelly a participé dans l'émission Mise au point, la répondre question Jean-Serge Nolendor. Pour moi, c'est la question. Est-ce que tu as un volet? Oui, tu as un volet. Est-ce que tu as un sérieux? Oui, tu as un sérieux. Est-ce que tu as qui est-ce qui volait déjà? Je ne sais même pas dire que le Parlement a fait un travail. Je pense que il y a des instances concernées, ULC, CI, CREF, toute institution qui est pour faire enquête et pour supérer des comptes. Qui pour... C'est ça que la loi dit tout, qui pour rentrer. Parce que le Parlement est une assemblée politique. Donc, si le Parlement lui-même institue un juge, si moun sa, c'est moun qui babon pour lui politiquement, la panique élimine moun yo à travers une résolution, mais une accusation comme ça. Ouais, donc m'pense que j'en le fait, là, le mal fait. M'pas pour que tout moun explique ce qu'il y a à faire. M'pas pour ça. D'ailleurs, l'homme prend la justice, moi-même. M'créer CSPJ, ça veut dire CSPJ. Est-ce qu'on a? CSPJ veut dire que l'on crée le. Ou rendre le pouvoir judiciaire indépendant. Ça veut dire que le pouvoir judiciaire, même le président, n'a pas capable de faire ça. Longtemps, son président qui a nommé un juge qui a fait toute bagarre. Ça veut dire que si on aime révoquer, là, ça a obligé marcher même. Mais vous dire, mettons en opposition, je ne pas qu'à faire rien. Donc, mettons en opposition pour attaquer si je ne fais pas ça. Donc, moi, je vais pouvoir judiciaire toute force pour attaquer n'importe qui ça qui a un pouvoir corruption. Parce que nous-mêmes, au niveau de la présidence, et tous les contrats, tout le monde a fait, c'est au niveau de la primature, au niveau du ministère, au niveau de planification, des bails qu'on s'en fait, mais au niveau de la présidence, autant tout, ou plus politique. Ça me donne, donc nous-mêmes, je pense que c'est vrai qu'il y a des dérives, oui, tout vous gagnez, et tout vous gagnez des dérives. Seul bail, c'est leur qu'un bémou, non, que vous connaissez qu'un tel est dans des dérives. Donc, quand vous dites, dit n'importe qui ça. Et tout ça, je ne sais pas pourquoi que je dis, mais ça a été fait clairement, mais ça a été fait, mais ça a été fait. Moi, que je indique des gens. Vous ne pouvez pas parler des projets, vous dites pas fini. Bon, quand il y a un projet, vous ne pouvez pas finir. Alors, quand il y a un projet, vous ne pouvez pas finir. Avant, ce n'est pas que parce qu'il n'est pas fini, et puis il y a un problème. C'est sûr que il y a des projets qui ne sont pas finis. Peut-être que c'est comme ça qui disparaît, peut-être que c'est comme ça qui vole. Peut-être que c'est comme ça qui est en cours. Il y a un bon cam qu'on a, et que les compagnies ont pratiquement abandonné le chantier. Oui, donc l'État a pour attaquer les gens. En justice ou bien vouen moun yo ou bien si vous pouvez finir payer on y a pris l'autre compagnie fini projet à chaque projet pour analyser pour qui problème chaque projet gagne mais puis gros problème n'est pas problème ça puis gros problème dans ça haïtien qui t'a bloqué haïtien à l'époque. Et voilà, nous arrivons dans un moment pour nous passer dans la page publicité à n'importe dans un petit moment avec l'autre information. Na poursuivre avec information, merci pour fidélité et attention. Président République là, Jovenel Moïse, qui était gagné avec lui, délégué départemental Saint-Lan, Marie-Denise Bernadeau, avec quelques députés, Namba, avec un haut plateau central, visité Rivière au Monde, côté travail, qui rage, t'as supposé fête dans Rivière ça, qui a en pile problème chaque fois la pluie tombée. Député circonscription, Boucan-Carré, Jude Jean, avec député tout le monde, Lionel Apollon, félicité président République là, Jovenel Moïse, qui promet l'IPRAL dépêcher matériel pour faire travail, qui rage, Rivière au Monde là, avec l'autre travail, infrastructure dans le département Saint-Lan, dans le cadre caravane changement. N'a invité au suivi un extrait dans le micro, c'est quoi pas qui, avec Michel Joseph. Visite président, lui répond à un ensemble de plaidoyers. Moi-même, député Jude Jean et Boucan Carré, que m'a fait pour que y ait une déconcentration dans la question équipement. Parce que c'est vrai que le président a lancé caravane dans le département de l'Artibonite, mais il a toujours dit que faut que on répartition qui fait. Parce que pendant que caravane a travaillé dans le département, nous-mêmes dans le département du centre et moi-même spécialement Boucan Carré, nous avons pile problème d'infrastructure que nous avons fait face chaque jour. Donc nous avons des problèmes de route et rivière qui m'ont décuré. Et nous avons des questions de monio, érosion, tout ça, des problèmes environnementaux et paysans qui n'ont pas de travail. Donc
ça pas gain plus qu'une semaine qu'un article que m'étais écrit pour m'étais dit que la démarche que moi-même comme député m'a fait et nous mandé président pour que lui mette plateau central dans priorité l'équipement que le pral bay différents départements pour caravane. Le président vient là nous dit voyager lui et puis il dit nous la porter solution pour nous. Deuxièmement nous tenons Idaïa. Idaïa son gros espace vide et son gros local qui tout le monde qui gagne plusieurs qui vide qui gagne plusieurs casouli mais pas fin. Et nous pas jeune pas gagner comme distraction, il pas gagner comme bagarre qu'à prendre comme profession et président Weli il dit nous tout problème c'est pas. Bon, il dit nous pas mettons l'école professionnelle, centre de loisirs etc. Des pour monde qui apprendre métier. Gros compagnie qui remporte appel d'offres pour travail à commencer mais jusqu'à présent pas commencer. Nous parler avec l'encore sur ça, les dit travaux public pas font passer mais et après et compagnie a venir résoudre. Et syndicat employé APN a célébré 23 l'année existence vendredi 2 février. Il y a une célébration qui déroulée en présence du directeur général institution 1, cadre avec plusieurs employés. Président syndicat Wilfried Saint-Illus fait connaître avec satisfaction et a célébré anniversaire ça par rapport à divers travaux déjà faits en faveur employés. Un extrait dans le micro, Richardson Jourdan. Nous avons un pluralisme syndicat. À chaque fois, on ne prépare jamais une discussion. Côté que moi-même, je prends 4 mandats consécutifs. Et ce n'est pas 4 mandats que vous faites un cadeau. Et si vous êtes venu la journée aujourd'hui, vous avez une discipline pour côté tout employé. Parce que 2 février, à chaque fois, 2 février, arrive une élection, vous avez un employé à commencer à demander qui a fait élection. Nous organisons l'élection chaque 4 ans et chaque 2 février pour un comité qui peut investir. Donc c'est à partir de stabilité ça. Je vous dis à qui permettent que vous venez à l'APN ou après l'APN d'hier n'est plus d'aujourd'hui. Vous devez rentrer à l'APN où est tout le monde discipliné, surtout avec le code ISPS là qui m'a dit qu'il faut des zones stériles. L'homme n'a pas entré là, il faut identifier parce que c'est pour nous avant de rentrer. Et je pense que je vous dis à plus de 15 ans, pas de monde capable de dire autant de bruit encore dans l'APN. Mais nous payons ça cher parce que nous connaissons la culture, ça nous pas gagné. À chaque fois, pas de bruit, ils ont toujours dit qu'ils ont acheté syndicat. Nous-mêmes, nous avons un approche directeur, mais nous n'avons pas un parce que 4 mandats, c'est pour un bail facile, pour, surtout dans l'autorité portuaire nationale, parce que nous n'avons pas une culture de chita ensemble. La perspective, c'est que c'est gourmet d'abord pour les acquis sociaux. Deuxièmement, pour APN exister en tant qu'APN. Troisièmement, tout, nous travaillons tout pour que nous ne pas comprendre que qu'est privé pour le remplacer que l'État. C'est ça que fait nous dit, nous discipliner, nous cherchons une solidarité grandissante, une solidarité active. Pour permettre que non seulement pour nous défendre résolument l'intérêt APN. L'intérêt APN passé par nous, parce que si APN pas existé, nous pas existé. C'est dans ce sens ça nous dit, nous avons toujours travaillé pour nous sécuriser emploi, tout employé et toute catégorie confondue. Et ensuite, tout, c'est bataille pour APN Bayon. Bon service, laisse à nous-mêmes nous demander le retour de l'ascenseur. Bon genre augmentation et ensuite, tout, bon genre encadrement, bon genre condition, travail pour tout employé. Émission L'Église, la prophétie en Haïti, dénoncer décision ministère, travaux publics, transport, communication, prend pour caser un parti dans le collège Jacques Vital M. sur le boulevard Aritouman, mettez au courant. Pasteur Jean-Claude Dorléan a invité autorité concernée à chercher l'autre espace pour faire passer route ça qui est à relier la lettre à le boulevard Aritouman. On suit un extrait. Brusquement, nous constatons que un groupe ingénieur issu du ministère des Travaux publics, qui est venu dans la cour d'église là, et ils ont dit qu'ils ont bien démoli, écrasé, brisé, pour être capable de relier la route, relier la lettre à boulevard Ritouman, mais en passant par la cour de l'église. Nous avons réalisé que la procédure est mal faite. Parce que y a une norme juridique que tout le monde est censé connaître. Même l'État a déclaré une zone d'utilité publique, l'école, l'église, l'hôpital, ils ont fait partie du patrimoine national. Même en coup de fil, nous n'avons pas recevoir ce sujet. Donc, nous avons trouvé que les normes et les principes administratifs n'ont pas respecté. Deuxième chose, l'ENTOS en décembre 2017, nous a informé nous. Nous sommes obligés de dire, eh bien, puisque nous n'avons pas respecté les principes, et nous n'avons pas camper face à l'État, et bien, qui s'en a fait, nous avons gagné des institutions qui sont même concernées, nous écrivons. C'est ainsi que nous avons écrit le ministre des Travaux publics, lettre que nous avons gagnée, accusé de réception.
nous écrit tout le ministère de l'éducation nationale, ministre Nanguenet Lanameni, nous écrit ministère des affaires étrangères et des cultes qui bat nous accueillir de réception, nous arrivé écrit les différentes commissions de la Chambre des députés du Sénat de la République, lettre sa yo à réunion, nous recevons accueillir de réception depuis décembre 2017 et tout récemment en 2018. Pendant deux fois, nous recevons visite tantôt des ingénieurs, tantôt des topographes qui disent qu'ils ne peuvent pas le mettre main. Et ce qui est plus terrible, c'est que les enfants qui sont en salle de classe, pas quittés en récréation, qui ont des inconnus paraître, qui disent qu'ils sont sortis dans le ministère de la République, ils ont venu pour démolir l'école de la Latine, ils ont traumatisé. L'objectif, non, c'est d'étudier même l'État pour voir qui côté qui est bon, qui est capable de passer au-delà sans pas déranger ni population ni institution. Et puis, une fois qu'on est mairie d'Elma, pareil pour réaliser le carnaval de sortie 3, arrivé 4 février, qui a venu là. Il y a plaisir bon appui à Jazz, à Capsou, Pakou, carnaval là, d'après magistrat Wilson Jeudi. Bon côté pâle, commissaire Berson Seljour, qui est directeur départemental de l'Ouest, police nationale d'Haïti, fait qu'on est toute disposition déjà prise pour assurer sécurité participants. Le extrait dans le micro, Richard Saint-Jourdan. Chaque année, et puis nous-mêmes, dans le fond de nous pas dormi, rêve nous, fait le bien. Ou a bien invité, ou a bien monde, et nous travaillons, même au niveau de la rue, hein, si monsieur qui est dans la rue, tape ses machines, yo même yo là pour veiller machine, yo tout. Yo connaît machine, bah, casser, tout ça. Machine cassée, yo chaud. Parce que job, yo veiller machine, parce que machine, bah, casser, si le cachet, yo connaît moun nan, fait ou bon moun nan. Ça, c'est job, pas. C'est-à-dire, nous conseillons des bagages, nous faisons pour nous intégrer tout le monde et dans un an pour nous capables de faire tout le monde de safe, de à l'aise, puis à virer de la clope. C'est-à-dire, là, moi-même, quoi, nous vivons dans une belle période. Nous allons faire chaud pour tout le monde. Nous allons gagner. Jazz qui a défilé pour nous dire qui a besoin de participer dans le carnaval d'El Mayo. Nous connaissons que nous parlons de jeunes nouvelles, pas arrêter l'autre année si tu veux pour tout le monde vienne jeune moi. Laisse ma pied temps pour me trier au fur et à mesure si l'année soit jouée, l'autre année nous ne doit pas bon. Nous doit prendre l'autre groupe. Parce que nous avons pile, tout le monde a appelé pour venir ici. Mairie a déjà fait un gros parti dans la question de sécurité, dans le barrage que nous avons gagné pour isoler les véhicules. Et dispositif qui a pris tout pour que le parking soit capable de sécuriser, pour tout le monde capable de venir sans qu'elle saute, déposer la machine dans l'espace qui a désigné pour ça et que en partenariat avec la mairie, la municipalité, donc le véhicule a sécurisé. Donc toute disposition prend pour que nous garantissions la sécurité de la population, puisque d'abord c'est devoir et obligation de la police nationale d'Haïti pour sécuriser la population. Dans tout temps, les manifestations de 18 sanctions, bien que la demande nous en pile effectif, puisque nous avons voté à Néa, nous avons un carnaval dans plusieurs communes. Donc, c'est un défi. Donc, la police nationale d'Haïti est toujours d'Acadie répondre à des défis. Donc, c'est encore une fois l'occasion pour nous capables de prouver maturité, nos capacités pour nous gérer sécurité, ville nous, sécurité, tout coin et au coin. Notamment dans le département l'Ouest. L'autre point dans le journal, l'agence santé communautaire polyvalente dans la commune Carrefour continue à demander intégration en dans le système. Non. Pour parole, l'association Dieu seul, Alcide, qui dit 8 ans l'année depuis qu'elle été engagé dans le programme ça, profiter, féliciter le président et le ministre santé qui décide de faire suivi pour eux dans le cadre du dossier. Sila. N'a pas invité au suivi un extrait. Nous devons pour nous demander l'État haïtien respecter l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'accord ça, qui s'est intégré nous dans le système, nan, à savoir ben nous l'être nomination, hein, ben nous encadrement, payer nous comme ça doit. Donc c'est ça que nous avons demandé. Dans la phase nous arrivons là, bagala tellement dit pour nous, bagala tellement drôle pour nous. Après tout temps nous fait nous souffrir, nous obliger nous mettre tête nous dehors. C'est vrai, nous-mêmes, dans Carrefour, nous avons fait un pile temps, nous avons fait silence. Parce que dans Carrefour, il y a une équipe de dirigeants qui était sous tête, nous, qui était qu'on a fait des marches pour nous.
dirigeants ça yo te kon marché dit dans tout pays ya, et même à l'étranger que agent santé kafou yo c'est un modèle yo c'est un exemple à travers ça yo ministère tout vin gagner ça yo relé yo modèle soin santé communautaire que li a fait promotion pour li dans tout pays ya. Et bien modèle ça mesdames messieurs il te prend naissance dans Carrefour dans l'année 2010. C'est la première promotion à prendre naissance. Je dis à nous, c'est 4 promotions dans Carrefour. L'autre zone, yon même yon gagne une promotion là-dedans. Je dis à nous, toute commune qui est dans la métropolitaine, gagne ASCP jusqu'à la Gonave. Gagne ASCP Akin. Gagne ASCP Jérémy. Gagne ASCP Latibonite. Donc, c'est là qu'il prend naissance. Pour qui ça, depuis le commencement du mois de décembre, bon ensemble de l'autre zone qui recevoir lettre nomination yo nous même Carrefour nous pas ka joindre lettre pa nous et bien les nous mettez comme nous dehors responsable fait nous connaître c'est parce que dossier nous était monté avec food donc si dossier nous il y a bagaille qui fait là-dedans qui pas supposé fait ça c'est négligence dirigeant nous yo m'a demandé est-ce que yo fait de bonne volonté ou bien est-ce que yo fait pas irré donc dans cas ça nous féliciter équipe qui là, équipe président Jovenel Moïse là. Nous féliciter ministre santé publique là parce que lui c'est premier ministre depuis environ 8 l'année qui râle dossier agent de santé qui mettait le dehors dans tiroir qui t'a prend poussière. C'est moment pour nous observer notre pause commerciale n'a tout là. Si à page internationale, on a rencontré Kounia pour une fois qu'on ait une vingtaine de monde blessés parmi eux, quatre dans un état critique, dans un gros affrontement dans Calais entre migrants afghans et africains. Pour le ministre intérieur français, Gérard Collomb, c'est une situation qui grave en pile. On suive. Gen gros affrontement entre migrants afghans et africains dans Calais, dans notre pays, la France, ça qui la cause une vingtaine de blessés parmi eux, quatre dans une situation critique. La police a cherché un ressortissant afghan 27 l'année qui t'a gagné pour exact ça yo. Mais intérieur français Gérard Collomb t'est rendu sur place quand il fait connaître situation s'aggrave pendant le remettre en question politique accueil pays almailan. Situation calé aggrave dans espace 3 l'année nous recevoir 300 000 monde qui entrent dans pays. Ça veut dire si nous pas gagnons législation qui appropriée nous pas ca résoudre problème qui gagne. D'après ministre intérieur Gérard Collomb. Selon l'association Auberge Migrants, c'est politique gouvernement qui parle des migrants dans Calais. C'est qui la cause tension ça. Environ 800 migrants qui devaient passer en Grande-Bretagne à vivre pourquoi elle est là dans Calais, selon dernier chiffre association yo. Et puis entre 550 et 600 selon préfecture. Et je note Djouli, petit ancien dirigeant cubain Fidel Angel Castro Diaz Balá, 68 l'année, a suicidé tête li d'après médias cubains. Yo jeune corps Fidel Angel Castro Diaz Balá dans La Havane, jeudi 1er février 2018 là, il a souffert dépression depuis plusieurs mois. Premier petit Fidel Castro a été connu tous sous nom Fidelito, te travaille comme conseiller scientifique pour régime cubain, il était dirigé tout programme nucléaire l'état. 5 officiers perdu la vie dans un accident hélicoptère dans le sud du pays la France vendredi 2 février 2018 là. Ils ont déjà joint 4 corps, ils ont toujours cherché 5e nom. Président de la République française Emmanuel Macron avec Premier ministre Édouard Philippe salue engagement 5 officiers ça yo en suive. 2 hélicoptères la écrasé dans circonstances moun pa konnen jusqu'à présent tout près lac Cancès à une cinquantaine kilomètres Saint-Tropez dans sud de la France ça qui la cause 5 moun perdi la vie yo. 2 hélicoptères al frappé une clôture en plein vol, une hélicoptère écrasé net et puis deuxième nan boulé d'après préfet Var là. Yo déjà joine 4 corps, yo toujours ap chercher 5e nan. Président République Français Emmanuel Macron ak Premier ministre Édouard Philippe salue engagement 5 officiers sa yo qui perdit la vie dans condition ça et puis adresser condoléances ak famille yo. Accident hélicoptère ça c'est une pi gros accident qui fait pendant dernière année sa yo dans pays la France. Voilà zami TNH, c'est la n'a pété un bout à journal là mais avant nous aller n'a rappeler pi gros point yo. Dans la République, la Jovenel Moïse fait distribution yon lot matériel dans le département la Tibonite jeudi. Distribution matériel sa yo rentré dans le cadre engagement chef l'État prend
pour mettre le pays en chantier. L'Assemblée sénatoriale a adopté jeudi 1er février une résolution pour transférer le dossier enquête sous l'agent Petro-Caribéa devant la Cour des comptes. Dans l'idée pour permettre à la population à connaître comment activité yoye, service dans centre réception livraison documents identité yon équipe télévision nationale d'Haïti te fait yon coup de pied dans centre Delma 31. Mais Delma apparaît pour réaliser carnaval li sorti 3 rivé 4 février cap Vinila. Gen plusieurs bon à pied ak jazz cap sou pako carnaval la d'après magistrat Wilson Judy. Et puis petit ancien dirigeant cubain fidèle Angel Castro Diaz Balart 68 l'année ta suicidé tête li d'après média cubain yo yo joine encore Fidel Castro dans la Havane jeudi 1er février 2018 là. Merci tout le monde qui t'a suivi journal TNH là. Nous souhaitons passer un très bon week-end et à bientôt.